Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Enfin terminé. Les députés pour siéger au Parlement européen sont sélectionnés, nous permettant de reprendre le cours d'une vie normale après tant de tapages médiatiques qui créent comme à chaque fois plus de confusion que de compréhension, surtout lorsque l'on sait qu'il y avait au total 36 listes de présentées. Alors qui a voté, qui n'a pas voté ? Désigné comme droit civique fondamental, le droit de vote est-il aujourd'hui réellement un outil de démocratie nous permettant de choisir ou un pseudo-résidu de notre pouvoir politique qui ne fait qu'enchaîner une succession d'élus dévoués à un même système économique ? Telle est la question à se poser lorsque nous retraçons l'histoire des dernières décennies où une alternance gauche-droite nous a démontré que les appartenances n'avaient plus à être défendues devant un programme commun néolibéral. L'évolution du droit de vote au fil des siècles a toujours montré une certaine réserve quant à la délégation du pouvoir au peuple. Suffrage universel masculin mais limité, ou suffrage censitaire, l'élection directe par le peuple est arrivée plus tard. Le 5 mars 1848, le suffrage universel masculin est adopté par décret dès l'âge de 21 ans, suite à un mouvement révolutionnaire qui mettra fin à la monarchie pour instituer la République. Il faudra cependant attendre le 21 avril 1944 pour que le suffrage soit réellement universel en intégrant les femmes sous le gouvernement provisoire de la République française de Charles de Gaulle. Que de contestations et de combats pour peser dans le choix national. Comment percevons-nous aujourd'hui le droit de vote ? Comme une réelle chance d'imposer nos choix de société sur la politique ou bien comme une formalité à laquelle nous participons ? En se demandant ce que cela changera dans tous les cas. Eh bien, nous pourrions pencher sur le second choix. La politique actuelle représente un large spectre allant de gauche à droite, en gros de l'intérêt commun à l'intérêt individuel, ce qui en soi représente une énorme différence. Pourtant, depuis quelques décennies, l'alternance des mouvements a pu nous montrer deux choses. La première est que finalement, le parti politique n'est plus représentatif des idéaux annoncés et que la parole politique s'arrête où commence l'action financière et économique. Nos représentants ne font plus autorité, mais sont subordonnés à des intérêts. Cette constatation a été faite et confirmée par la vague de dégagisme qui s'est abattue sur les dernières élections présidentielles. Table rase pour laisser place à un jeune dynamique et souriant, mais qui vient d'où ? Et qui a été projeté dans les médias par quels moyens ? Bref, le droit de vote actuel ne nous permet d'actionner notre volonté que sur des candidats délicatement choisis par des groupes d'intérêt, qu'ils soient politiques ou économiques, et surtout ultra médiatisés par des campagnes de fonds privés mais également par nos propres impôts. De là, démarrent des propagandes verbales qui ne cesseront qu'après élection et qui disparaîtront dans la continuité du système libéral mondialisé. Regardez à quel point l'écologie et le climat sont devenus des sujets importants et inscrits dans pratiquement tous les programmes. De ce constat déprimant, je retiendrai plusieurs choses. La première est que si nos élus souhaitaient réellement connaître nos intentions, alors ils valideraient l'utilisation du vote blanc qui permettrait de remettre les compteurs à zéro. De plus, il faudrait que chaque campagne soit égalitaire dans les fonds investis et que la transparence sur les fonds privés comme publics soit ouverte aux citoyens. Un temps de parole et une visibilité médiatique similaire et surtout du fact-checking en temps réel qui permettrait de faire voler en éclats toute fausse annonce ou mensonge distillé pendant les campagnes. Il est effectivement intolérable d'entendre des fake news en continu de la part des politiques, qu'il s'agisse du climat, de l'immigration, du travail, peu importe, sans que sanctions ne soient appliquées. Rappelez-vous, le référendum du Brexit a été alimenté par de fausses informations influençant fortement le choix des électeurs. Ce genre de pratique, de plus en plus commune à travers le monde, complique notre compréhension et nous embourbe un peu plus dans des systèmes malades. Lorsque nous possédons des données erronées, il est difficile d'effectuer un choix juste. Pour terminer, à chaque engagement de campagne, l'action doit correspondre. Les acteurs politiques sont énormément engagés de manière médiatique, discours après discours, mot doux après mot doux. C'est une chose.
Cependant, une veille sur les actions entreprises devrait elles aussi être instaurée pour valider ou non le programme annoncé et permettre ainsi une révocation si nécessaire. Le dernier point, mais non le moindre, est quel est notre engagement quotidien pour la cité, excepté le vote ? Comment pouvons-nous réellement penser que notre investissement politique ne peut être représenté que par un vote et hop, on rentre chez nous et l'on se revoit à la prochaine élection ? À avoir délégué notre pouvoir politique au vote et uniquement à celui-ci, nous avons oublié que la politique est avant tout un lien social qui nous unit autour de mêmes objectifs au quotidien, celui de dresser un futur commun, un futur de société. Or, aujourd'hui, coincés entre métro, boulot, dodo, nous avons oublié que nous avions un rôle à jouer. Aussi, je souhaiterais vous parler de la reprise en main d'une petite ville dans la Drôme qui s'appelle Saillant. En 2014, plus exactement le 23 mars, l'élection du nouveau maire de Saillant a eu lieu. Mais cette fois-ci, un changement sans précédent s'est dessiné. Le maire sortant souhaitait la construction d'un supermarché en sortie de village. De plus, il était question de sacrifier des arbres centenaires. Les habitants, réfractaires à une activité qui risquait de nuire au petit commerce, ont formé progressivement une liste collégiale et participative par le biais d'une association créée en 2011. C'est ainsi qu'avec 56,77% des voix et avec un taux de participation de 78,97%, la liste citoyenne a pris le contrôle de la mairie en y instituant un nouveau maire choisi collégialement. Le maire sortant, ancien MoDem, estime que la démocratie participative est un miroir aux alouettes, un groupuscule qu'il qualifiera d'altermondialiste et d'anticapitaliste. Nous lui répondrons peut-être. Mais ce qui est intéressant dans l'organisation de cette liste est le fonctionnement. Faisant appel à l'intelligence collective, le maire regroupe des anciens du village, mais également des néo-ruraux à la conscience en éveil. Au constat d'une organisation classique pyramidale, les habitants ont relevé que le pouvoir était généralement concentré entre les mains des élus et adjoints de la municipalité, et que les habitants finalement étaient très peu impliqués dans la vie de la commune, et qu'elle se limitait au vote une fois tous les 6 ans. Le principe de base de cette nouvelle gouvernance citoyenne est que la politique, c'est l'habitant, et l'élu, uniquement le représentant. Le programme est donc construit par les habitants durant des réunions publiques, la liste se présente sans candidat désigné, ils seront choisis également lors de ces réunions. Il ne s'agit donc plus d'être un technicien ou un spécialiste de la politique, mais être simplement un habitant possédant une expertise sur la gestion de sa commune. Il n'existe aucune relation hiérarchique, il ne s'agit donc plus d'un pouvoir sur, mais d'un pouvoir avec. Les outils et méthodes utilisées sont issus de la gouvernance partagée, basée sur l'intelligence collective, qui permet à chacun d'être impliqué concrètement dans la gestion de la commune. Les petits apports de chacun permettent de faire de grandes choses. Les premières réunions construites sur des méthodes d'éducation populaire ont ravi les habitants, retrouvant sens dans une méthode pour gouverner, qui s'appuie au quotidien sur l'ensemble des avis et non sur une décision unilatérale. Tout d'abord 120, puis 250 pour un village d'un peu plus de 1000 habitants, cela discutait politique partout à travers le village avec enthousiasme. Enfin, chacun s'était réapproprié un droit et finalement un devoir d'action dans la cité. Le nouveau maire y voit un laboratoire dans lequel est tenté de réinventer la gouvernance. L'adjointe, quant à elle, explique que gouverner autrement revient à s'appuyer sur les compétences du village. Les gens ont des idées et sont dans la réalité de la vie. Il faut savoir que l'équipe communale a également suivi des formations, notamment par l'Association des maires de France, sur des domaines consacrés à la gestion d'une commune. Voici donc une manière de reprendre le pouvoir et de se réapproprier un futur commun, riche de sens, parce que construit par chacun. Il n'y a donc pas de fatalité, le vote est bel et bien un outil, mais sans implication plus engagée par les citoyens, il est difficile d'exercer un pouvoir de contrôle et de directive sur des organisations qui sont aujourd'hui hors sol, déconnectées de leurs citoyens, lorgnant sur une mondialisation, alors que la reconstruction locale est impérative. Si vous souhaitez plus de renseignements sur cette thématique, recherchez « Gouvernance partagée » sur Internet. Sachez également qu'il existe des formations comme celle par exemple du mouvement Colibri, dont voici l'annonce. «
Les structures pyramidales, les modes de décision unilatérale ou à la majorité ont été au cœur de l'ère industrielle. Ces fonctionnements ne répondent plus aux enjeux d'aujourd'hui. Désormais, les organisations doivent s'adapter en permanence et offrir plus d'autonomie à leurs membres. Elles recherchent un équilibre entre intérêts collectifs et motivation individuelle, entre efficacité et convivialité, entre adaptation permanente et vision à long terme, entre raison et intuition. La gouvernance partagée repose sur un principe simple. Tous les membres d'une organisation ont une part de pouvoir et de responsabilité. Cela ne veut pas dire que tout le monde décide de tout ou que chacun fait ce qu'il veut. Il s'agit de créer ensemble un cadre explicite et évolutif qui va libérer l'action plutôt que de la contraindre. Dans cette seconde édition du MOOC Gouvernance partagée, l'Université des Colibris et l'Université du Nous vous invitent à explorer des nouvelles manières d'agir ensemble. Découvrez des pratiques, des outils, des postures pour favoriser l'intelligence collective, apprendre à décider ensemble et distribuer le pouvoir. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green, oui. Green, comment ? Oh, super green! Aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, 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 tu vois. Mais tu vois, green, green, absolument green, un green plus green.